go there, you go there, you go enter. Hey. Hey, mon amour. Ça va, bébé? Mmh, donc tu descends. Ouais, aussi descendu. Toi, tu montes. D'accord, ça, puis tu m'as laissé à manger. Oui. D'accord. Bisous, bisous. Ouais, ouais. Il a dormi un peu, c'est trop fatigué. Wait for the right time, oh. Life not turn by turn, oh. You should never give up. Ça va? Ouais, non, tu montes. Ouais, il monte là. D'accord, d'accord. Bon travail. Merci, elle a laissé la nourriture sur la table. Merci. Hein? Que Dieu te protège. Hein? Toi aussi, repose-toi bien. You should never back down. Si, I don't scatter, they do my don't break up, they do my say no more. Possible. Now you see the star. Ah, bébé, aujourd'hui, au moins, on ne s'est pas croisé devant le portail. Oh, mon amour, tu es rentré. Oui, ça va? Bon, moi, je dois aller. Mmh. Donc voilà, j'ai préparé du riz à l'eau là-bas avec la sauce au bœuf. Ah d'accord. Donc j'ai pas eu le temps de ranger un peu la vaisselle. Pardon, faut faire ça avant mon arrivée. Oui, je vais faire. Il y a mon bus qui arrive chez lui. Oui, mais bébé, pardon Dieu. Mais il y a quoi? J'ai dit, toi-même, regarde comment on vit. Oui, hein? Ça fait que quand moi je quitte au travail, je rentre la nuit. C'est là que la nuit, toi, tu t'en vas au travail. Quand tu viens la journée, c'est ça que la journée, moi, m'en va au travail. Ça fait des mois. On n'a même pas encore dormi ensemble la nuit en tant que mari et femme. Est-ce que ça là, c'est bien? Hein? Mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Faut vite parler, mon bus arrive. Tu vois, où je vais en venir comment? Je lui dis, au moins dans la semaine, il faut amener une nuit de ton travail pour qu'on puisse au moins dormir ensemble la nuit en tant que mari et femme. Bien vrai. Moi, annuler une nuit. Tu sais combien de dollars canadiens ça fait? Mais toi, tu es méchant, tu ne penses pas à moi. Ah, pense à toi. Bon, toi, tu travailles là. Les chaises ici, c'est moi qui paye louer, c'est moi qui paye tout. Bon, moi, bon. Je dois aller. Non, mais attends. Chérie, écoute-moi. On aura tout le temps de profiter plus tard. Maintenant, là, il faut travailler, il faut bosser fort. On a la famille au pays, on a pensé de la famille. Toi-même, tu sais. Attends, on bosse fort, là, on ne dort pas ensemble. Est-ce qu'on a besoin de dormir ensemble? Tu dors depuis, tu vas te lever. Collègue, on se met en retard. Faut te lever, on va aller au travail. Collègue, réveille-toi au travail, on se met en retard. Oh. Hey, oh. Voilà, mon. C'est qui ça, non? Non, mais bébé, c'est ce qu'il t'a expliqué la dernière fois. Il m'a expliqué quoi? À force de dormir sur ici jusqu'à maintenant, ça fait que quand il dort la nuit, lui aussi sur là, il fait franchement un peu. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ma collègue au travail. Quand on est descendu là, je lui ai dit, ah, c'est mieux à venir dormir un mois, comme elle peut de dormir la nuit. Donc, comme elle a dormi là, on s'en va au travail, comme il fait jour là. Tu vois, je suis au travail là, c'est ça. C'est ça comment? C'est ça qui se passe dans ma maison. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je travaille dur. Donc, quand je ne suis pas là, c'est celle-là que tu ramènes à la maison. C'est ça qui se passe. Mais, c'est ma collègue, c'est juste qu'elle a passé la nuit. C'est comment là, comment elle dort profondément? Tu lui as fait quoi? Il faut la réveiller, dis-la de sortir de chez moi. Annie, allons travailler. Oh, c'est ton ami, tu fais des rêves. Allons travailler. Aïe, bébé. Tu vas pas au travail. Donc, d'aller travailler pourquoi? Donc, d'aller travailler, puis tu vas ramener femme dans ma maison. D'ailleurs, même, je ne travaille plus la nuit. J'ai annulé tous mes chiffres de nuit, là. Je vais rester à la maison. Aïe. Oui. Et celle que tu as l'habitude de ramener à la maison, là, elle est où? Je veux la voir. Comment est-ce que tu ne travailles plus la nuit? C'est la nuit que tu travailles. On appelait ça, tu dis tu ne peux pas annuler tes heures. J'ai décidé de ne plus travailler la nuit. Point final. Femme, donc tu pouvais faire ça depuis. Ce message, c'est pour le vrai parieur. Voilà. Même si tu as un compte Elisabeth, laisse ce compte-là. Il faut créer un nouveau compte avec mon code promo Raoul225. Pourquoi je dis que d'utiliser mon code promo? Je vous donne les raisons. Parce que de 1 déjà, bon, quand tu vas t'inscrire, tu vas recevoir 200% de bonus. Ça, c'est 1. De 2, tu peux m'écrire en PV. Je vais te donner des combinaisons. Voilà, je vais te donner des vraies combinaisons. Et s'il arrive que peut-être un jour tu as un petit souci, peut-être ton agent est venu, tu as retiré sa table à venir, tu ne sais pas qui appeler. Moi, je peux me mettre devant et puis essayer de régler le problème, appeler là-bas pour régler ton problème. Donc, utilisez mon code promo Raoul225 pour ceux aussi qui n'ont jamais joué, qui ne savent pas comment ça se passe. Tu vas peut-être sur Google, tu tapes peut-être Elisabeth Côte d'Ivoire, ils vont te donner le lien. Tu prends le lien,
Maintenant, quand tu t'inscris là, tu mets tes coordonnées. Vous voyez, tu mets tes coordonnées, tout. Ou ils ont mis code promo, tu mets Raoul 225. C'est le code promo qui fait feu en ce moment.